Sports. It's in the game.
C'est le moment qu'on attendait tous. On y est, enfin, et on va se régaler. Accrochez-vous. Qui va sortir vainqueur de ce duel acharné? Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accompagner à Riyad, au King Fahd Stadium. La team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement. Et c'est parti donc pour ce tournoi d'avant-saison avec ce premier rendez-vous en phase de poule. L'ambiance est déjà au maximum ici. Bien sûr, ce n'est qu'un tournoi de pré-saison, mais ça permet de mettre l'équipe dans une situation de compétition. Et pour trouver le rythme, c'est forcément mieux de jouer au football que de faire de la muscu. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Carlos Soler sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Et ça peut être dangereux. C'est un ballon parfaitement maîtrisé. Voici les 11 titulaires de cette équipe. Mbappé la frappe. Le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. Et un ballon récupéré haut grâce à ce bon pressing. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et le bon centre là peut-être. Et finalement le gardien s'empare du ballon. Alors l'avant-match a été marqué par une très grosse préoccupation à son sujet. Alors, on a senti que tout le monde était heureux de se retrouver pour ce match d'ailleurs. Ah oui, bien joué, là, attention. Et le hors-jeu est signalé. Attention, il y a un bon pressing. Un face-à-face à négocier. Parade, mais ce n'est pas fini. Ah, une grosse pression sur le porteur. Très bon ballon intercepté. Ah, voilà une annonce qui va enfin mettre un terme aux rumeurs. Son transfert est confirmé officiellement. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on leur souhaite. Ramani. Ah, le porteur est sous pression. Ah, le ballon est perdu. Mbappé pour mener l'attaque. Il faut tenter sa chance. Attention pour mener au score peut-être. Eh oui, le bon réflexe. C'est bien frappé par Dembélé. Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. Ça, je vous dis, l'arbitre, avantage pour le PSG. Et sur le côté, Mbappé, il a du champ. Et le bon centre en retrait. Oh, quelle intervention, là! Bien joué! Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah non, il n'est pas bien joué ce corner. Et le pressing porte ses fruits avec cette récupération haute. Ah, la récupération haute, bon pressing. Mbappé la frappe. Ah, superbe défense. Les Parisiens qui obtiennent le corner, une bonne possibilité pour prendre l'avantage.
Dembélé qui s'applique. Goal ! Le premier but mérité pour cette équipe, tellement elle maîtrise son sujet. En voyant ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Ouais, c'est pas très bien défendu et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Soler. Ousmane Dembélé. Ouh, dans le dos de la défense là. Ah, la perte de balle de Dembélé. Ousmane Dembélé. Et le break est fait. Les voilà avec une avance confortable maintenant. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Ousmane Dembélé avec le ballon et le face-à-face à venir. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Avec Kylian Mbappé. Oh, il y a une bonne occasion là. Et c'est au fond. Et 1, et 2, et 3 buts d'avance maintenant. Mbappé qui compose son billet, il laisse le défenseur sur le quai. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Le coup de sifflet pour la seconde période. Voyons si la deuxième mi-temps sera plus équilibrée que la première. Danilo. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, le plongeon pour intercepter cette balle. Le corner bien tiré. Oui, c'est bien défendu et donc le ballon est éloigné. Il y a du monde en soutien. Attention, Kylian Mbappé.
Le drapeau s'est levé, hors jeu. Le ballon change de pied. Avantage laissé à Paris après cette faute. Oui, bon pressing, bonne récupération. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au PSG. Ah non, on revient à la faute, c'est l'arbitre qui en a décidé ainsi. Le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. À grosse pression, ballon perdu. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Bonne compensation là, bonne couverture. Le ballon est repris. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et l'arbitre siffle la faute. Coup franc dangereux à venir. Et changement pour les deux équipes. Le tir et la bonne parade sur le coup franc. Elle a tiré dans la surface. Les adversaires pressent. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Olé, le bon mouvement. Mais non, il revient à la charge et il finit par gagner ce duel. Ah, la faute est signalée et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. L'arbitre désigne l'endroit de la faute mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Oui, un changement côté parisien. Pour le Boca, ballon récupéré par le PSG. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Mbappé revient vers l'axe. Et bon arrêt du gardien. Ouais, nouvelle intervention du gardien qui s'empare du ballon. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Vive le football! Et pressing sur la relance. Ah, le ballon change de propriétaire. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Avec Kylian Mbappé. Ah, une frappe lointaine complètement décadrée. Au moment de la frappe, le pied d'appui est un peu trop loin du ballon. Le PSG qui va faire un changement.
fausse pression, attention. Trois minutes minimum ajoutées par l'arbitre. La réception de Carlos Soler. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. La pression n'a rien pu faire contre son talent, son équilibre, sa sérénité. C'est un but historique, héroïque. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Le ballon pour Fabián Ruiz. Il va falloir déclencher là. Et le gardien qui écarte bien le danger. La fin du match donc avec le coup de sifflet final et c'est une victoire pour le PSG. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner. C'est sûr, il y a les séries, le cinéma, les jeux vidéo, les potes, les sorties, tout ça. Mais au-dessus, il y a le football, ce football qui nous accompagne, le foot qui nous procure tellement d'émotions qu'on finit tous par parler comme Omar Da Fonseca. Viva el football, allez là, faites-nous vibrer, transmettez l'émotion, la passion, la pelota. Qui va sortir gagnant de ce choc? On va voir ça tout de suite. Salut à tous, sous nos yeux le King Fahd Stadium, le grand stade de la capitale saoudienne. Ici, Benjamin Da Silva et à mes côtés, Omar Da Fonseca. Oui, l'homme qui a osé laisser sa carte de visite à Léo Messi. Et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. Les deux équipes ont maintenant un œil sur le tableau. C'est peut-être une pré-saison, mais n'oublions pas qu'il y a un trophée à gagner à la fin. Même si ce n'est pas la Coupe du Monde, ça fait toujours plaisir. On va regarder la composition de cette formation. Attention, situation dangereuse là. Et le but, quelques minutes de jeu et déjà les filets tremblent. C'est bon pour le spectacle. Et oui, le savoir-faire, c'est très bon aussi. Regardez,
Il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. La force de la joie, elle est insupérable. Le score est serré. L'euphorie s'élit sur le visage du coach. Et c'est reparti, Bilbao qui est mené d'un but. On attend la réaction maintenant. Oh là là, quelle faute, mais quel tacle dangereux. L'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Il faut maintenant voir la couleur. Et c'est donc un carton rouge, exclusion. Et ça risque de devenir très compliqué en défense maintenant. Le coup franc était cadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. Oula, c'est pas la meilleure relance du monde, ça. À la tête, c'était sans doute le geste à faire, mais malheureusement, ça passe à côté du cadre. Ah, c'était le but du chaos. On devine à la frustration de l'entraîneur sur cette action. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ouais, bien fait, c'est pour Mbappé. Et ça chauffe encore. Et but, ça y est, c'est réussi, le doublé. Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente. Deux buts marqués et ce n'est pas fini. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ah, il perd ce ballon. Fabien Ruiz avec le ballon. Ballon pour Draxler. Kylian Mbappé. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match. On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Et ça repart à l'instant dans cette rencontre avec Paris donc qui a creusé l'écart avec ce troisième but d'avance. Bon, il y a une bonne occasion là. Ah, là-dessus peut-être. Ouais, hors-jeu, c'est hors-jeu. Allez, ça presse bien. La faute et coup franc signalé par l'arbitre. Ah, bonne protection du ballon avec son corps. Et c'est bien défendu, sans faute. Des solutions en attaque là. Et non, ballon perdu. La réception de Carlos Soler. La puissance y était.
mais pas la précision. Une bonne occasion et ça passe assez loin. La possession change de camp. La passe en profondeur, c'est dangereux. Et Raxler en bonne position. Et le ballon renvoyé par le gardien, attention. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Et ça joue sur Nuno Mendes. Excellente défense dans la surface. Du soutien en attaque. Et oui, c'est dangereux. Et la bonne transmission dans l'espace. Et le gardien intervient comme il se doit. Et le point de pénalty. Ah, c'est bon, ça va rien donner ce corner, pas assez bien joué. Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Et le danger est éloigné. Ouais, bonne intervention, le ballon récupéré dans le camp adverse. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ballon pour Ousmane Dembélé. Et bien fait, attention à l'occasion. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Mbappé la frappe. C'est contré. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Une avance bien confortable pour le Paris Saint-Germain. C'est le début de la deuxième mi-temps. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Et le jeu est interrompu pour un remplacement. Très bonne intervention. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ballon pour Ousmane Dembélé. Oh, attention à ce ballon. Allez, cette intervention permet de stopper l'attaque. C'est récupéré. Ousmane Dembélé avec le ballon. Oh, bien placé Dembélé. Plus personne dans le but. Et le but qui est marqué, mais qui ne sera pas validé a priori. L'arbitre signale un hors-jeu. Oui, mais c'est très limite, je pense. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et c'est une remise en jeu à venir. Ouais, bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Ouais, bien placé pour une frappe peut-être. Le tir est puissant mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans ce genre de situation. Ah,
Depuis le temps qu'on en parle, ça semblait inévitable. Son transfert vient d'être confirmé officiellement. Effectivement, c'est un... Attention, ça peut faire but. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Si près du but, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie du geste. Jamais plus, jamais moins. L'efficacité, quoi. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Ander Herrera. Ah, et c'est bien défendu, sans commettre de faute. Raúl Garcia. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, la contre-attaque fait mal à la défense. Et le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Le ballon pour Kylian Mbappé. Il y a une provocation là. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. Depuis le début, dans sa tête, c'est clair. Je ne dribble pas, je joue en force. Dans l'exécution, c'est parfait. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Un match très facile. Le score est maintenant de 5-0. Danilo Pereira. Fabien Ruiz avec le ballon. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Iñaki Williams. Pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Oh, c'est un bon ballon ça. Et encore une opportunité. Oh, ça va au fond, but. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Bien fait ça, sans faute. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Iñaki Williams. Et la passe est interceptée. C'est un ballon de contre à jouer. Et bien fait, attention à l'occasion. Oh, attention. Allez. Quelle punition! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée.
dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et derrière, ce n'est pas le genre à balancer. Le ballon est parfaitement ajusté pour venir tromper le gardien de but. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. 4 minutes minimum de temps additionnel. Ah, la défense est battue. Un bon arrêt du gardien. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et la parade, dingue. Quel arrêt. Quelle présence, surtout quel réflexe. À bout portant, c'est exceptionnel. Corner. Attention, Kylian Mbappé. Le coup de sifflet final est dans le public, c'est la bronca, les supporters en veulent toujours à l'arbitre pour cette exclusion. Quand les passions sont mêlées, quand l'irrationnel déborde, c'est difficile de rester objectif. Le public ne pardonne pas à l'arbitre d'avoir sorti le rouge. Ah, et en même temps, on peut les comprendre parce que ça a été le tournant. Voilà, vous y êtes. Vous allez constituer votre première équipe. Au moment de votre prise de fonction, votre club sera composé en majorité. Sur le papier, l'équipe présente quelques lacunes. Mais il y a de la qualité. Votre arrivée fera le plus grand bien à ce club. Prenez le temps de passer en revue votre effectif. Quand ce sera fait, appuyez sur « Continuer ».
Votre première mission consiste à recruter un élément en prêt pour améliorer un poste. Sélectionnez l'élément que votre recrue prêtée va remplacer. Bien, voilà un renfort de choix. Un élément en prêt défendra les couleurs de votre club pour un nombre de matchs défini. Avant d'aller sur le terrain, il vous faut un maillot. Choisissez le vôtre. Vous pourrez améliorer votre look en trouvant d'autres maillots au fil du jeu. Les supporters sont prêts à vous encourager, surtout s'ils peuvent se ranger derrière un écusson. Choisissez le vôtre. Ensuite, place au jeu. Voilà, c'était pas compliqué. À vous de jouer maintenant. C'est sur le terrain que ça se passe. Jouez, apprenez à maîtriser le marché des transferts et composez votre équipe de rêve. Si c'est bon pour vous, direction le premier match et sélectionnez coup d'envoi. Si à certains moments vous ne savez pas quoi faire, sélectionnez apprendre et améliorer pour atteindre des objectifs et gagner de quoi améliorer votre équipe.